Dans un contexte de profonde mutation des systèmes d'information, Daniel Bigagli, DG de la BU Enterprise Service, nous a expliqué dans le précédent podcast comment le nouveau service d'Orange Business Service, Supervision Watch, permet aux entreprises d'améliorer la supervision et la performance de leur SI pour mieux parer à tout risque pouvant mettre en péril l'activité des entreprises. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément avec Mathieu Chapuis d'une entreprise qui a fait le choix d'avancer avec Orange. Bonjour Mathieu. Bonjour Marion. Vous êtes business developer chez Orange Business Service au sein de la direction des grands comptes. Oui, j'accompagne les équipes de vente auprès des clients pour tous leurs projets de gestion des performances. Un acteur de la grande distribution française, leader sur son marché, a opté pour le service de supervision transverse d'Orange Business Service afin de suivre la performance de tous ses services informatiques liés au réseau et aux applications. Pourquoi ce choix ? Alors, plusieurs raisons à cela. L'entreprise dispose d'un SI complexe et hétérogène, c'est-à-dire de multiples applications avec différents fournisseurs et d'une petite équipe informatique, donc elle n'a ni les ressources ni l'expertise pour gérer au mieux son SI et servir son activité. Elle avait donc besoin de centraliser ses services IT, notamment ceux de monitoring, et d'avoir une vision 360 degrés sur tout son SI. Elle souhaitait par ailleurs s'appuyer sur un fournisseur externe de confiance pour centraliser tous ses services IT sur une seule et même plateforme, et ainsi se concentrer sur son business et les évolutions de ce dernier. Comment est né le besoin de centraliser ses services chez le client ? Est-ce qu'il y avait une idée claire de ce qu'il recherchait ? En fait, c'est un besoin qui a mûri avec le temps. Le client a commencé à aborder le sujet avec Orange il y a 2 ans, en partant d'une solution que nous avons mise en place pour lui et qui lui permet d'avoir une vue harmonisée sur l'ensemble de ses services cloud. Étant satisfait, il souhaitait étendre cette solution à un périmètre plus large que le cloud. Et à l'époque, le client voulait déjà une vue centralisée pour faciliter la gestion opérationnelle de son SI sans pour autant définir clairement les fonctionnalités qu'il souhaitait associer. Et donc avec le temps, la réflexion a mûri jusqu'à exprimer clairement un besoin de monitoring global, transverse, de corrélation et de prédictivité avec de l'intelligence artificielle pour diagnostiquer et résoudre plus rapidement les incidents et anticiper les problèmes de dégradation de la performance. En clair, gagner en efficacité opérationnelle et s'assurer que son SI réponde à son activité. C'est un client qui semble être à l'écoute et s'intéresser aux évolutions technologiques. On peut dire qu'il a donc une certaine appétence pour la nouveauté et l'innovation. En effet, on peut considérer que le client comme un early adopter face aux nouveautés. Du fait du format de son activité, pure player dans sa grande distribution, il est crucial d'être à la pointe de l'innovation pour être concurrentiel sur son marché. En conséquence, le client est constamment à la recherche d'innovation pour lui permettre de proposer à ses clients des services de plus en plus pertinents et ainsi être lui-même plus efficace. Qu'est-ce qui a convaincu le client d'avancer avec Orange sur ce projet ? Alors, tout d'abord, les bonnes relations commerciales et opérationnelles. OBS est présent depuis de nombreuses années chez le client en lui fournissant de nombreux services. Le client en est très satisfait. Ensuite, les équipes OBS prêtent au bon moment pour répondre aux enjeux du business du client avec Supervision Watch. C'est une solution innovante car elle se base sur de l'intelligence artificielle pour les opérations, IOPS, comme le souhaite le client. Et elle correspond à son besoin, c'est-à-dire qu'elle lui fournit une visibilité sur l'ensemble du périmètre défini et corrèle tous les événements de monitoring afin de générer des alertes de manière proactive et prédictive. Et elle s'adapte facilement aux impératifs de l'activité de son évolution. Et notre accompagnement, nous avons organisé quelques ateliers avec le client pour lui détailler le service, ses fonctionnalités, notamment les règles de corrélation et le machine learning, et comment il s'adapte à ses besoins. Une fois convaincu, il s'est rapidement engagé. Quel est le retour du client sur Supervision Watch ? Pour ce qui est des services déployés, ces derniers correspondent bien à ses attentes, soit une vision 360 de ses services qui étaient d'une certaine manière dispersés. Supervision Watch lui apporte plus d'efficacité quant à l'identification des causes à l'origine des incidents et des fluctuations de performance, ainsi qu'une résolution plus rapide et efficiente des incidents et problèmes. Il est globalement satisfait et se projette déjà sur un périmètre plus grand pour englober l'ensemble de ses fournisseurs.
Ce besoin de simplifier et d'améliorer la gestion opérationnelle pour s'assurer de la performance de son SI quant à son activité, c'est une préoccupation de plus en plus croissante au sein des entreprises. Et oui, avec la transformation des SI vers des modèles hybrides et la digitalisation croissante des activités au sein des entreprises, ce besoin a mûri avec le temps et est devenu prioritaire pour nos clients. Supervision Watch est un service totalement transverse qui offre une visibilité de bout en bout du SI, c'est-à-dire infrastructure, application, solutions de sécurité et réseau pour un maintien optimal de la performance grâce à l'IOPS tout en s'adaptant facilement à l'environnement technique. Nous sommes capables d'accompagner nos clients dans leurs réflexions et ensuite de déployer le service rapidement. C'est ainsi que certains d'entre eux, en France comme à l'international, ont d'ores et déjà choisi Supervision Watch pour répondre à leurs enjeux aujourd'hui et demain quant à la croissance de leur activité, comme par exemple dans le secteur bancaire et le secteur industriel. La banque et l'industrie sont d'ailleurs deux secteurs qui utilisent à plus de 66% des outils d'IOPS. Avec Supervision Watch, Orange Business Service est donc au rendez-vous pour accompagner les entreprises dans une gestion améliorée de la performance de leur SI. Merci Mathieu Chapuis pour ce partage sur un cas concret d'application de Supervision Watch. Et si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à visiter le site internet orange-business.com. Et nous espérons vous retrouver lors d'un prochain podcast sur Supervision Watch et sur d'autres services d'Orange Business Services.